Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMACAD. Donc ici nous allons continuer sur les déformateurs. Donc nous sommes arrivés sur collision. Donc c'est l'avant-dernier. Donc je le mets déjà dans la scène ici. Je vais mettre un plan. Un plan. Voilà. Ici affichage, ombrage gourou, ligne. Hein. Ok, je lui mettre les 30 segments par 30. Ok, ceci, je vais zoomer un peu. Voilà. Je vais prendre une sphère, comme ceci, que j'ai diminué, allez, 70, ça ira. Ouais, la moitié, 50. Allez, hop. Ok, je vais la relever. Voilà. Je vais mettre la collision, enfin le déformateur, dans le plan. Ici, là, si on regarde, tac, hop, je prendrai la sphère. Bon, là, pour l'instant, il ne se passe rien, c'est tout à fait logique. On va dans collision, objet de collision, ben, ça va être la sphère, on va mettre ici. Et là, si on regarde, ah, à chaque fois, j'oublie de. Voilà. Bon, à un certain moment, dès qu'il arrive pratiquement à la moitié de la sphère, ben, il passe de l'autre côté. Voilà. Et là, vous voyez. Ok. Ici, dans collision, je vais aller dans objet. Je vais aller ici, par exemple, surface. Bon, les autres, c'est pratiquement pareil. Ici, nous avons distance. Donc, ici, si je bouge. Oh, qu'il se passe pas grand chose. Ah. Restaurer la forme, ça parle un peu mieux. Par exemple, je vais mettre à 10. Ici, je vais mettre 500 frames. Ok, et là, si je fais lecture, bam, j'oublie toujours ma sphère. Ah. Non, vous voyez, hop. Ici, on voit qu'elle reprend la forme, mais vous voyez, c'est souple. Ok, donc je vais retourner ici. Par contre, ici, si je mets restaurer à 100%, j'entends qu'elle repart. Voilà, j'oublie toujours ma sphère. Bon, c'est abominable. Vous voyez, ça revient beaucoup plus vite. Par contre, si je mets ici à 0, c'est vrai que j'oublie toujours ma sphère. Hein. Voilà. Voilà, tout se déforme. Voilà. Bon, ça revient quand ça repart ici à zéro, c'est sûr. Ok. Que dire dessus? Oui, j'ai fait un petit truc. Tiens, je vais mettre sur pause. J'ai oublié de l'ouvrir. Ok. Ça tourne, ouais. Voilà. Par exemple, ce genre de truc qu'on peut faire. Bon, là, avec l'enregistrement, tout ça, bon, ça rame un peu. Donc voilà le genre de truc qu'on peut faire. Voilà, bon, on peut faire après ses propres réglages. Voilà, un petit truc sympa comme ça. Voilà, je vais revenir sur l'autre. Voilà. Je vais pas en parler longuement de ça, hein, parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec. Donc je vais vous laisser aller voir ici le tutoriel de notre ami Camille, hein, le déformateur collision avec des exemples. Je vous mettrai le lien dans la description. Il en parle beaucoup plus longuement, vous hein, voyez, 46 minutes 36, donc moi je vais pas faire. Hein, là j'ai juste présenté à peu près déjà un petit truc comme ça, tout simple, hein, voilà, parce qu'il y a... Il y a les cartes, on peut jouer avec les cartes d'influence, tout ça, il en parle très bien. Donc, ben, je vais vous laisser aller voir ça. Là, je vais pas en dire plus pour l'instant. Donc, là, vous avez vu, bon, quoi ça, en gros, quoi ça sert, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez, donc, je vais mettre à zéro.
Voilà, oui, on peut même jouer avec les textures ici, voilà. Bon, ça, on s'en fout. Avancée, atténuation, bon, avec c'est toujours pareil, hein, voilà. Par rapport où se trouve la sphère, bon, ça fait un peu dégueulasse. Bon, il y a les réglages à faire. Ok. Donc, ben voilà, je vais vous laisser avec ça, hein. Vous allez voir le tuto de Camille. Là, vous aurez vraiment tout dessus. C'est pour ça que je vais pas trop en parler. Lui, il en parle très bien. On va rester comme ça. Ok, donc je vous remercie. Donc, on va se retrouver pour le dernier, ça sera lissage. Et ensuite, j'étais sur ici simulé dynamique, les connecteurs. Ici. Et on va aller voir un par un. Et entre-temps, bon, je vais commencer quand même le couloir. Hein. Je vais mettre un tutoriel le couloir, un tutoriel ici sur la charnière, après le cardan. Entre deux, je vais peut-être mettre un de deux couloirs. Bon, enfin bref. Je vais essayer d'alterner un peu les deux ici. Pour pas que ce soit trop long à expliquer tout ça, tous ces trucs-là. Ok. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.